Amis de la gravure laser, bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier truc qui est arrivé chez Cerob, à savoir l'Algo Laser Alpha MK2, un graveur laser d'une puissance de 20-22 watts. Et donc, j'ai pris aussi, comme on va le voir, un certain nombre d'accessoires avec. Faut savoir que ce graveur, on peut l'acheter tout seul ou l'acquérir sous forme de pack qui inclut différents accessoires. Et moi, ce que j'ai pris, c'est le pack qu'ils appellent Safe Pack. C'est un pack, on va dire, plutôt axé sur la sécurité, ce qui me semble vraiment important. J'ai reçu ça sous forme de deux colis qui étaient livrés par deux transporteurs différents. À droite, le graveur en lui-même, que l'on voit était bardé de scotch et qui donc est la partie, on va dire, centrale. Et derrière, on va le voir, un certain nombre d'accessoires qui correspondent à ce pack et que l'on va découvrir ensemble. Ben là, on ne voit pas grand-chose et comme c'est un colis complètement scotché, c'est pas très facile, donc je vais l'ouvrir et on va le découvrir ensemble. Voilà, donc à l'intérieur, nous avons une notice ici, a priori. Non, même pas. Enfin, on a cette planche. Donc ça, c'est une planche, je pense, pour pouvoir faire des essais. On voit, c'est une planche de contreplaqué. On a ici cette petite pochette, là, comme on peut le voir, voilà, qui contient un certificat de conformité. Bon, je ne suis pas sûr que je suis bon là au niveau de la lumière. Peut-être plutôt me mettre là. Et notre frère Soleil va bien nous éclairer. Donc ici, un certificat de conformité. Voilà, bon, bah, ça, c'est les trucs classiques. Ici, on a les notices de la pompe. On va voir ce système, un système de pompe à air qui permet d'aspirer la fumée au niveau de la coupe, ce qui permet d'éviter que ça brûle, puis surtout d'avoir quelque chose de très net. Et la notice qui va me permettre, je pense, de monter le système, parce que comme on peut le voir, il est, enfin, il n'est pas réellement kit, dans la mesure où il est déjà prémonté, mais il y a un certain nombre d'éléments à assembler. Là, on peut voir dans cette pochette-là un certain nombre de matériaux de test. Alors, on peut voir qu'il y a de l'acrylique, différentes choses. Donc ça va permettre de déjà faire des premiers essais. On a ces deux autocollants là. Alors ça, d'après ce que j'ai compris, c'est des autocollants qu'on peut coller par exemple sur du métal pour le rendre plus sensible au laser pour faire des gravures. Et donc derrière, quand on enlève ici cette mousse, voilà, on a, comme on peut le voir ici, c'est bien filmé, ben on voit tous les éléments ici du flotteur qui sont donc, comme je l'ai dit, prémontés. Et il y en a un autre en dessous à l'étage. Bon, j'ai vu que sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos en français qui montrent ce flotteur. Et je me suis dit, c'est pas forcément très malin de refaire ce qui a déjà été fait. Donc au pire, je vous mettrai en lien les autres vidéos, comme ça vous verrez que c'est exactement le même système. Et je vais essayer au contraire, moi, de vous montrer des choses qui n'ont pas été montrées dans ces vidéos-là, histoire de, voilà, de pas s'amuser à singer ce qui a déjà été fait et bien fait hein, par d'autres youtubeurs. Donc ce qui est sûr, c'est que voilà, en suivant la notice de montage, je vais monter déjà ce graveur. Et derrière, comme ça, on pourra regarder plutôt les autres accessoires et surtout regarder ce qu'on veut faire avec. Hein, sachant que moi, personnellement, ce que je veux faire avec ce graveur, c'est beaucoup plus de la découpe que de la gravure. Sachant en plus que c'est déjà un laser qui est assez puissant et que au niveau de la gravure, en fait, plus un laser est puissant, moins il fera de la gravure fine, vu que plus il a, je veux dire, un trait de laser, un rayon qui est assez important. Donc le but de ce truc-là, on peut faire de la gravure quand même. Et je veux dire, si on veut faire de la gravure très fine, il faut mieux prendre un laser moins puissant, comme ceux que je vous avais déjà montrés. Avec celui-ci, là, l'idée, c'est qu'on peut graver des trucs avec des, on va dire, des grains moins importants, une résolution moins importante, mais surtout, l'idée, hein, c'est qu'on va voir que pour faire de la découpe, il faut découper quand même pas mal de matériaux en une ou plusieurs passes, et c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, c'est parti. Bon, j'ai donc commencé à déballer la bête. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que tout me paraît quand même d'excellente qualité. Honnêtement, on voit, ça fait pas toc du tout. C'est manifestement du costaud, c'est des pièces en métal et tout.
Et c'est même livré avec tout ce qu'il faut pour la monter. Il y a les clés, limite, on n'a même pas besoin d'outils supplémentaires. Il y a cette pièce-là qui est très importante, qui sera ce qui va permettre de régler la distance focale. En effet, pour avoir la découpe optimum, il faudra régler la tête laser de façon à ce qu'elle soit à cette distance-là de la pièce à graver. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas perdre. Et donc là, comme on peut voir, on a le système, et donc tout le système électronique, avec ici différents boutons de reset, et ainsi de suite. Et on va le voir, et c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit sur cet appareil, c'est qu'il peut fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être relié à un PC. On peut préparer le travail sur un PC et tout, mais derrière, il peut fonctionner tout seul grâce à tout un système et des écrans tactiles. On peut voir aussi qu'il a ici des antennes pour être relié, je suppose, Bluetooth ou Wi-Fi. Donc voilà, apparemment, on voit aussi qu'il y a cette notice là qui vraiment détaille très bien les étapes du montage. Donc, alors c'est vrai que c'est en anglais, mais bon, honnêtement, avec les dessins, et c'est de l'anglais, c'est-à-dire technique simple. Ça m'a pas l'air de poser de problème. Alors, c'est parti pour le montage. Bon, ben voilà, j'ai monté l'engin. Il a fallu un peu plus d'une demi-heure pour le faire, en prenant mon temps, en suivant bien les instructions. Honnêtement, ça se fait plutôt très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, par contre, ce que je vous conseille quand même, c'est pour serrer les vis CHR, de prendre des tournevis. C'est quand même plus facile que la clé qui donne. Comme ça, voilà. Après, bon, rien n'empêche de le faire. Alors sinon, bah, dans la boîte, il y a une clé comme ça. Je n'ai pas compris pour l'instant à quoi elle servait, si je n'en ai pas eu besoin. Ici, on peut voir ces deux clés qui sont utiles pour pouvoir manipuler ici cet interrupteur qui permet éventuellement de mettre une sécurité pour éviter, par exemple, que des enfants ou des gens pas autorisés l'utilisent. Donc ça, c'est une chose. On peut voir ici ce bouton d'arrêt d'urgence qui est très important. À mesure où s'il y en a, il y a le moindre problème, il faut pouvoir couper, et ici donc le bouton de mise en route. Tout le reste se fait via l'écran tactile qui est ici. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc sur le côté là, on retrouve toute la connectique, à savoir l'alimentation qui est externe, hein, qui, on voit, c'est une alimentation 24 volts 6 ampères fournie ici. On a ici la prise d'accessoires qui permet pour l'instant de brancher la pompe à air. Et ici, un port USB-C pour connecter un PC éventuellement. Et un port USB pour mettre une clé, par exemple, pour aller chercher les données à graver ou à découper. Bon, honnêtement, comme j'ai dit, hein, l'impression globale est quand même très très bonne. Hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Ça se monte bien. Il y a juste là où j'ai dû rajouter un petit truc. Puis là, il a fallu que je rajoute des tirables pour que ça ne gêne pas. Mais voilà. Bon, alors après, sur le réglage de tension des courroies, ils disent rien, donc je fais au mieux. Pour mon avis, ça a l'air bon. Je pense qu'il ne faut pas les tendre à mort, mais il faut quand même que c'est des courroies crantées. Et l'idée, bien sûr, c'est que ne saute pas de cran. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Alors, la chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut le voir, c'est livré avec deux lentilles de rechange. Il y a même dans la doc la procédure pour les changer, vu que c'est un laser assez puissant. Éventuellement, ça, c'est intéressant. Et donc cette pompe à air, hein, que l'on voit ici, voilà, va permettre, et donc comme j'ai dit, de souffler la fumée et tout ça, mais aussi de refroidir le laser qui se trouve là. Alors, ce qui est aussi très très important, c'est que, et c'est pour moi un excellent point, c'est livré avec ces lunettes de protection, qui sont des lunettes donc adaptées au laser ici. Et je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous rappelle que un laser comme ça, c'est hyper dangereux. Donc il est hors de question de manipuler déjà sans les lunettes. Alors, pas tellement contre un rayon direct, sans un rayon direct de 20 watts, ça ferait du mal, mais ça peut toujours faire des reflets, des choses comme ça, donc il y a déjà cette chose-là. Et la deuxième chose qui est très importante pour la sécurité, c'est qu'on ne peut pas couper tout et n'importe quoi. Par exemple, si on veut couper du PVC, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que le PVC avec le laser, ça va dégager du chlore. Ce chlore va avoir deux effets. Un, il va faire des vapeurs qui vont endommager le système, et en même temps, c'est hyper toxique. Mais voilà, en gros, il y a un certain nombre de matériaux qu'on peut couper, qui à la limite font de la fumée. Le bois, ça va fumer un petit peu, mais on va dire, voilà, c'est une odeur de bois brûlé, c'est pas spécialement hyper toxique. Il y a des matériaux aussi qui peuvent, par exemple, faire des gaz cyanhydriques ou des trucs comme ça.
Donc je mettrai en lien dans la vidéo une ou deux pages que j'ai trouvées qui expliquent bien voilà ce qu'il faut couper ou pas couper. Et éventuellement, dans le doute, bah, faites attention, si vous ne savez pas repérer le type de plastique que c'est, évitez de le faire. Moi, par exemple, je pensais qu'on pouvait couper de l'ABS, et en fait, non. C'est pas du tout une bonne idée. Apparemment, ça peut se faire avec des lasers pro, des trucs comme ça. Et donc, j'avais acheté des plaques d'ABS, mais tant pis, je les réutiliserai normalement. Par contre, on peut couper de l'acrylique. D'ailleurs, ça fait partie d'un des matériaux qu'ils donnent en test. Ça, par contre, il n'y a aucun souci, on peut le faire facilement. Donc voilà, alors, je ne l'ai pas encore branché. On va le faire, sachant que... Alors, une des premières choses, on peut la connecter au Wi-Fi et éventuellement faire une mise à jour. Alors, est-ce que je suis assez proche de ma borne Wi-Fi pour avoir du débit? Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, allons-y. Bon, alors, quand j'ai branché l'alimentation, en fait, c'est mis en route et m'a affiché un message d'erreur avec un gros alarme, mais aucune indication sur la cause de cette alarme. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vérifié les connexions. En fait, c'est tout bête, c'est que le bouton d'arrêt d'urgence était enfoncé. Et donc, dans un cas comme ça, il se met en erreur. Donc là, on va la remettre en route. Donc pour ça, il suffit d'appuyer un petit peu sur Power, ici. Voilà, on voit que ça affiche un bip et que ça fait, si on regarde bien ici, algo laser là, sur l'écran. Voilà. Et on va peut-être baisser un peu pour voir mieux l'écran. Donc, on peut choisir la langue. Donc, comme on peut le voir, dans les langues, il y a... cancel. Il y a le français, voilà, French. Alors, bon, on peut se mettre en français, mais bon, généralement, sur ce genre de truc, les traductions sont pas forcément bonnes. Enfin bon, on va se mettre en français quand même. Là, donc là, je confirme. Voilà, donc le truc reboot. Bon, ça, c'est assez classique, hein. Ça change pas de langage à la volée. Et donc là, il redémarre. Voilà, on a ce bip assez fort. Voilà, à chaque fois, c'est assez classique, avec les moteurs pas à pas, comme il y a des courses, ça lui permet de se calibrer. Alors déjà, comme tout système de moteur pas à pas, évitez de le bouger à la main. Si vous le bougez à la main, il perdra ses références, et derrière, il ne saura plus du tout où il est. Donc là, je rappelle que ça, il y a moyen de le bouger sans ça. Donc derrière, là, on peut se connecter au Wi-Fi. Donc là, il recherche, alors a priori, il trouve mon Wi-Fi. Bon, je vais saisir les mots de passe et on va pouvoir continuer. Bon, j'ai réussi à connecter le Wi-Fi. Alors par contre, il m'est arrivé un truc. Apparemment, il y a un bug. C'est que sur un des réseaux Wi-Fi que je voulais essayer de connecter, il y a dans le mot de passe, il y a un U minuscule. Et c'est impossible de le taper. En fait, à la place du U, quand on voit dans le clavier, il y a un Y. Alors, j'ai pas pu me connecter dessus. Alors ça, je pense que c'est un bug, c'est assez gênant. Enfin bon... Heureusement, je me suis mis sur un autre réseau où il n'y a pas de U dans le mot de passe. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans le système, on a ici la possibilité voilà, de vérifier la version du micro-logiciel. Donc, il le fait via Wi-Fi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de vérifier si il est à jour et éventuellement, je suppose, de le mettre à jour. Donc ça, c'est plutôt, ma foi, je trouve assez sympa. Voilà, il me dit que c'est à jour, donc impeccable. Donc sinon, au niveau de la machine, on peut choisir différents capteurs. Est-ce qu'on veut avoir une détection de l'inclinaison, détection des vibrations, voilà, le mode de mouvement qu'on peut avoir, qui permet de voir entre la précision, l'équilibre ou la vitesse, hein, ici. Alors, on peut aussi, bien sûr, commander directement... la machine comme ça, hein, par exemple au niveau des mouvements, là on voit que on peut ici avec différents pas la bouger, voilà, avec une précision qui peut être voilà, jusqu'à 0,1 ici. On peut revenir à tout moment donc à la position home. On peut aussi donc directement piloter la pompe à air. La pompe à air, elle se pilote de deux façons. Soit on la pilote directement comme ça à partir de la commande. Voilà, et on l'entend ici qui se met en route et on voit que ça réagit aussi ici. Voilà, mais on peut aussi la commander de là en fait. On peut la commander de différents endroits. Sachant que si on met la main en dessous, là, on sent que ça souffle de l'air et à fond, à 100%, ça souffle pas mal. Hein. Donc, comme j'ai dit, ça a pour effet et de souffler les fumées et aussi.
donc de refroidir le laser de façon efficace, ce qui est bien sûr important. Donc, so far so good. Alors, avant de continuer, on va regarder maintenant un peu tous les accessoires qui ont été livrés avec. Donc, je vais les déballer et puis je vais vous les présenter un par un. Bon, alors j'ai déballé tous les accessoires donc, de ce pack. Alors, ça consiste déjà dans ces quatre cylindres là, qui sont en fait des rehausseurs. C'est comme on va le voir. Pour utiliser le Rotary Roller, il faut que la table soit plus haute. Et donc, il y a ces quatre systèmes là qui viennent s'intercaler au niveau des pieds de façon à rehausser. C'est de la très très bonne qualité. On voit que c'est en métal, très très bien peint. Alors, il y a déjà ça. Ensuite, alors ça qui est très intéressant, hein, ce qu'ils appellent le Honey Comb. Honey, hein, parce que, je veux dire, voilà, ça, comme on voit, ça fait des alvéoles, un petit peu comme dans les ruches. Alors là, c'est quoi l'idée de ce truc? L'idée, c'est que ça va faire un support idéal. En effet, quand on fait de la découpe, c'est pas très évident de poser les choses sur un support directement, parce que d'abord, il risque aussi d'être coupé ou autre. Donc, l'idée de ce support, c'est qu'on voit que ça porte bien, mais en laissant l'air circuler, et c'est livré avec une tôle, que vous pouvez voir ici, hein, il y a une protection dessus que j'ai enlevée, et cette tôle fait aussi que derrière, voilà, le rayon, au pire, s'il y va, il va pas endommager le support. Donc ça, je vais le monter, ça se positionne en dessous. Et sinon, il y a ce Rotary Roller, qu'on va regarder tout à l'heure plus en détail. L'idée, c'est de pouvoir graver ou découper, pourquoi pas, des pièces, des cylindres. En fait, l'idée, c'est que voilà, c'est une pièce comme ça. Il va y avoir des rouleaux qui l'entraînent à la place de l'axe Y. Et ça va permettre donc de faire des gravures sur des verres, des trucs comme ça. Donc ça, bien sûr, il faut faire un certain paramétrage, dans la mesure où, selon le diamètre du tube, la vitesse en Y doit être ajustée, mais apparemment, les softs le gèrent. Et alors, pour finir, il y a ce truc que j'ai déballé là, qui est la protection, qui est en fait une sorte de système qui va se mettre autour de la table et qui va permettre de complètement l'encapsuler. Donc déjà, ça va donner une protection contre les lasers, mais surtout, il y a un système d'aération hein, qu'on peut voir ici. Voilà, c'est un ventilateur avec une sorte de tube qui va permettre éventuellement de déporter les fumées et les mettre au tas. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a comme accessoire. Alors pareil, donc je vais monter ça et on va regarder ça. Voilà, j'ai monté les rehausseurs qui sont donc nécessaires quand on veut utiliser ce Rotary Roller qui, à l'intérieur, donc est livré avec une documentation du même genre que les autres. Et à l'intérieur, comme on peut le voir, différentes choses. On va avoir le système en lui-même. Voilà. Je le découvre en même temps que vous. Le voici. Voilà, qui, comme on peut le voir, est composé donc de deux rouleaux entraînés que l'on peut régler ici de façon à s'adapter au mieux au diamètre de la pièce que l'on veut usiner. Et derrière, on va avoir donc ce système là qui va aussi être utile, je pense, on va faire des pièces plus grandes d'après ce que je comprends. Et ici, différents adaptateurs. Alors ça, en fait, la doc explique que selon le modèle de table que l'on a, il faut utiliser un de ces adaptateurs. Donc bon, moi j'utiliserai celui bien sûr qui va bien avec. Donc voilà, grâce à ce système, là ça va permettre donc d'usiner des pièces cylindrique, sachant qu'il ne faut pas oublier que l'un des avantages du laser, c'est contrairement à de l'usinage par enlèvement de matière mécanique, il n'y a aucun frottement. C'est-à-dire que le truc peut tourner, il n'y a aucune force qui s'exerce dessus. Pour faire un premier essai, j'ai téléchargé, sur la carte SD qui est à l'intérieur, il y a quelques modèles. Là, j'en ai pris un petit, là, un Pikachu. J'ai mis l'origine, réglé le matériau. Il pose des questions de vitesse, de choses comme ça, donc pour l'instant j'ai pas tellement d'expérience. Mais enfin, de toute façon, avec ce genre de machine, voilà, ce qu'il faut, c'est faire des tests et de façon à déterminer les meilleurs trucs. Donc là, j'ai bien sûr chaussé les lunettes de protection et on va pouvoir y aller.
Donc là, on peut voir qu'il fonctionne en mode balayage, qui est ici un mode donc non vectoriel, mais qui permet de en fait balayer, on va dire, l'image, un petit peu comme le ferait une télévision quelque part. On a une petite odeur de bois brûlé, mais bon, on ne regarde rien. Alors bien sûr, là, j'ai pas mis en plus de... Ben, il règle automatiquement le débit d'air. Là, il l'a mis à 30. Voilà, je suppose que c'est ce qu'il faut faire. On va voir ce que ça donne. On va voir que c'est assez rapide. Alors on a le choix de la vitesse, on a le choix de la puissance. On a donc différents choix. Et donc, alors il affiche sur l'écran, hein, comme on peut le voir ici pendant que je suis en train de le faire. Voilà, il affiche donc l'image qu'on est en train de faire. Donc ici c'est un Pikachu. Et donc le matériel, enfin les différents paramètres, et le temps, et là où il en est. Alors voilà, on voit qu'il est à 78% de la gravure. Donc on va voir ce que ça donne. Sachant que, après, comme j'ai dit, moi c'est plutôt pour faire de la découpe. Et pour faire ça, j'utiliserai plutôt du G-code. Donc ce sera mon premier truc. Apparemment, il faut les mettre sous forme TXT, les G-codes. Alors il y a des exemples, mais apparemment c'est pas très clair. Donc là on va déjà regarder ce que ça donne. J'espère que je vais pas déborder. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, voilà. Donc là, manifestement, il a terminé. Ok. Donc il continue à souffler. Je suppose que le but est de refroidir la tête pendant un certain temps. Donc là, on va pouvoir récupérer le dessin et voir ce que ça donne. Et ma foi, pour un premier essai, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc ça n'a pas traversé. Pour info, ce truc là c'est de récupérer, c'est un bout de cajou de fruits. Mais honnêtement, je trouve que pour un premier jet, c'est vraiment très bien, hein. On peut voir que c'est vraiment très très propre. Ma foi, je suis assez bluffé. Ouais, vraiment bien. Donc, alors ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de générer du G-code pour voir si je peux faire une découpe. Bon, la premier test de découpe. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire revenir à sa position de départ. Donc là, pour info, je fais un test sur du bois. Et comme on peut le voir, le test est très concluant. C'est vraiment une découpe très très fine. Et vraiment impressionnant les pièces. Ici, alors bien sûr c'est un petit peu brûlé sur les bords, hein, ce qui est normal, mais enfin ça a fait quand même très peu de fumée, très peu d'odeur, et on peut voir ici la qualité des pièces, c'est vraiment assez bluffant. Alors comment j'ai obtenu ce G-code, parce que ça c'est fait à partir d'un G-code que j'ai fait à partir de laser GRBL, je suis parti d'une image BMP que j'ai fait vectoriser et découper. Alors par contre, ce que j'aimerais faire, moi, c'est générer du code à partir de Camdown. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Et le code qui est généré, il plante la machine. Donc il faut que j'arrive à comprendre pourquoi ça fait ça. Enfin bon, quand même, là, je suis quand même assez bluffé. La qualité du résultat est vraiment très très bonne. Donc là, je suis en train de faire un essai de gravage du métal. Donc c'est de la tôle d'aluminium qui est peinte en noir. Et donc normalement ça va faire sauter un peu la peinture. Donc voilà, c'est un premier essai que je fais. Alors, bien sûr, il y a une légère odeur de peinture brûlée, ce qui est assez normal ici. Et sinon, donc j'ai fait un autre test. Et alors, je vais vous montrer comment j'ai dessiné ça, mais c'était pour vérifier la tolérance dimensionnelle. Et c'est très très bon. C'est-à-dire que là, par exemple, ce carré, là, il est censé faire 10 par 10, hein, en millimètres. Et après vérification, la cote est bien respectée. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse
pour pouvoir faire des découpes mécaniques précises. Alors on va voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Bon, bah, ma foi, c'est pas trop mauvais. Je pense que j'aurais peut-être pu faire une passe en plus ici, ou peut-être aller un peu moins vite. Après, c'est comme tout, hein, faut faire des essais. Enfin bon, pour un premier test, hein, je pense que c'est tout à fait acceptable. Ma foi, ici, donc voilà, on voit qu'on peut quand même graver sur du métal. Voilà, mais là, je pense qu'il aurait fallu que je fasse soit deux passes, soit peut-être aller un peu moins vite. Bon, ben voilà encore un test de gravure. Et on voit que, voilà, ça fait 35 mm de large. Et ça donne un résultat qui est quand même tout à fait, ici, je pense, acceptable. Donc, ben, jusqu'à présent, je suis plutôt satisfait de ce truc. Alors, qu'est-ce que je lui trouve un peu comme défaut ? Ben, y a ce bug, là, de saisie du clavier qui n'est pas dû à la langue. Bon, ça, je pense qu'ils le corrigeront. Mais c'est vrai que si dans votre mot de passe vous êtes Wi-Fi, vous avez un U minuscule, c'est pas gagné. Alors, il y a quand même un autre truc que j'ai trouvé qui est un petit peu gênant. Alors déjà, c'est le verrouillage de la tête, là. Quand on la verrouille, hein, en fait, c'est une queue d'aronde qui vient se mettre comme ça. Quand on la verrouille, elle a tendance à se pencher un petit peu. Bon, c'est pas hyper gênant, mais ça fait que la coupe sera pas déjà complètement, à mon avis, verticale. Et puis, en fait, c'est pas si facile que ça de gérer le focus avec cette pièce, hein, là, donc qui en fait est une pige. Donc, bon, c'est pas la mort. Et alors, surtout, ce qui est aussi assez gênant, c'est que faut bien repérer l'origine. Et en fait, comme la tête est très près, c'est pas très facile de la repérer. Alors, j'ai vu qu'il y a un gars qui fait ça avec une lampe, il éclaire à travers la petite fenêtre, là. Mais bon, faudra que je regarde ça aussi, bien sûr, comment faire. Alors, après, ça dépend, parce que c'est sûr que si, quand vous gravez, après vous faites une découpe par exemple autour, voilà, c'est pas forcément très gênant. Enfin voilà, il y a ce petit souci, mais sinon quand même globalement je suis plutôt assez content du résultat. Bon, je vais pas vous montrer parce que là, comme on peut voir, il y a tout ce système donc qui est aussi une bonne chose, hein, qui permet comme on le voit d'avoir une protection avec ce truc de protection laser. Et surtout qui va permettre aux fumées de s'enlever. Hein. Comme je vous l'ai montré, il y a ici ce ventilateur. Et comme on peut le voir, cette espèce de truc là qui se grandit jusqu'à à peu près 1 mètre. Alors c'est peut-être pas suffisant, mais après rien n'interdit d'en mettre plus long. Et donc l'idée c'est de faire l'extraction vers l'extérieur. Ce qui fait que bah, voilà, les fumées éventuelles sont mises à l'extérieur. Après, on peut aussi la mettre dehors, enfin, on peut trouver différentes solutions. Mais je pense quand même que, enfin, bon, quand je l'installerai à son poste, je pense que j'essaierai quand même de mettre ça, parce que ça sera quand même plutôt, à mon avis, une bonne protection. Sinon, non, c'est plutôt vraiment très très bien. Alors bon, je vous ai pas fait la démo, mais il y en a plein qui l'ont fait. En même temps, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en cas de coupure de courant, elle permet éventuellement de reprendre là où elle était. Ça, c'est quand même intéressant. Si vous faites par exemple une grande gravure qui prend beaucoup de temps et que pour X raison il y a une coupure, bah vous perdez pas tout, comme c'est souvent le cas, et elle peut reprendre là où c'était. Donc ça, je pense que c'est plutôt un très très bon point. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais vous montrer quand même un petit peu au niveau logiciel, un peu comment ça se passe. Par exemple, pour graver le logo Syrob, tout ce que j'ai mis sur la clé USB, c'est le JPEG de l'image. Tout le reste, ça a pu se régler directement sur l'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, on n'est pas obligé d'utiliser comme ça. Comme on peut le voir ici, il y a une prise USB-C qui permet de relier le graveur à un ordinateur et de le piloter directement, soit avec Laser GRBL, soit avec d'autres softwares. Et là, l'avantage quand même, c'est que c'est vrai que si on veut faire des essais et trucs comme ça, c'est quand même plus pratique. Dans la mesure où ben voilà, on change sur l'ordinateur, on peut piloter direct. Et éventuellement, surtout changer les paramètres. Ce que c'est un des trucs que je reproche un petit peu ici, c'est que dans certains cas, il y a des paramètres, on ne peut plus les changer. Par exemple, sur le G-code, après ce que j'ai vu, il n'y a pas grand-chose à changer, à part la puissance. Et donc ça, c'est... Enfin voilà, si on veut le faire à distance, c'est un petit peu moins pratique. Alors, rapidement sur les programmes utilisés.
Normalement, à la base, ce que j'aurais aimé, c'est utiliser Kanban, ou Kanban, je ne me suis pas prononcé, qui est celui que j'utilise pour ma CNC et qui permet, par exemple, de définir des formes et derrière, donc, de générer du G-code. Il existe un post-processeur pour GRBL que j'ai spécifié ici, voilà, le GRBL laser, alors, il y en a plusieurs, j'ai essayé. Alors, ça génère bien du G-code, mais le G-code non seulement n'est pas reconnu correctement par le graveur, mais en plus, des fois, ça fait planter, il est complètement bloqué après, les moteurs marchent plus, il n'y a rien qui marche. Donc, j'ai laissé tomber la piste Kanban pour l'instant. Alors, je rappelle que moi, ce qui m'intéresse, plus que de faire de la gravure, c'est faire de la découpe. Donc, en gros, de pouvoir dessiner les découpes. Alors là, j'ai exploré une autre solution. Comme vous le savez, pour mes schémas, j'utilise Esplan. C'est un très très bon logiciel, mais c'est aussi un logiciel de dessin qui est très puissant. Donc ici, en fait, on peut tout à fait l'utiliser. Par exemple, si la première chose à faire, c'est dans la page, c'est de définir la largeur. Par exemple, 10 cm par 10 cm, par exemple. Hein, voilà. Et derrière, vous allez pouvoir définir donc les formes de découpe que vous voulez. Par exemple, ici, je fais n'importe quoi, voilà, des ronds comme ça, des perçages. Donc en gros, tout ça va être ce qui va faire derrière les découpes. On peut même faire des trucs qui sont bien sûr pas voilà, carrés ou ronds. Donc une fois qu'on a ici fait son tracé, ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'il va y avoir un changement d'origine. C'est-à-dire que là, le 0, 0, il est ici. En fait, il se retrouvera ici dans ce qu'on va faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller ici dans Exporter. Et là, il génère du SVG. Donc là, si on garde les dimensions, si on ne change pas ici, on fait OK. Voilà, donc là, il va me faire un fichier demo.svg, par exemple. Donc une fois que ça c'est fait, donc là, je vais pouvoir quitter Esplan. Et ici, dans ouvrir un fichier, donc là je suis dans Laser GRBL, hein, qui est le soft gratuit qu'on peut tout à fait utiliser. Et là, je vais choisir mon fichier, SVG de démo. Voilà, donc là je vais pouvoir définir la vitesse de gravure. Par exemple, là dans le bois, j'ai utilisé 200, différentes options. Et éventuellement, si voilà, on peut avoir des variations de puissance, bon, enfin différentes choses. Et derrière, donc je vais faire créer. Et là, voilà, on voit ici qu'il me refait les mêmes choses, hein, vectorisées, sachant que là, il y a différentes vues possibles. Par exemple, voilà, là, on ne verra que la découpe. On peut afficher laser off mouvement, c'est en fait les mouvements de la tête quand avec le laser éteint. Donc là, j'aurai ici ma découpe. Et pour le mettre sur la clé USB, c'est très simple. Il suffit ici d'aller dans Fichier et de faire sauver le programme. Et là, voilà, il va me générer du G-code. Donc ça, je le mets sur la clé. Et derrière, ça, c'est la clé que j'ai mis dans le graveur. Et je lance. Et c'est comme ça que là, je vais pouvoir faire toutes les découpes que je veux. Alors, ce soft, il permet aussi, hein, c'est pas le but là de faire une vidéo, ce serait beaucoup trop long de tout montrer. Et d'ailleurs, je l'ai découvert. Alors normalement, c'est aussi celui où voilà, on peut se connecter directement sur le graveur. Et là, ça permet éventuellement de faire, voilà, des trucs, on va dire, en live, hein, de le piloter. Mais voilà, on voit qu'avec ce côté clé, on peut aussi le faire. Alors si, par exemple, on veut détourer une image, ici, par exemple, on peut tout à fait ouvrir une image, par exemple celle-ci. Voilà, là, il me propose de le vectoriser. Alors pareil, il y a différentes options, hein, qu'on peut faire. Derrière, pareil, on va voir la gravure, on va voir la taille de l'image. Par exemple, moi, je voudrais qu'elle fasse, je sais pas moi, 100 ici, voilà, créer. Et de la même façon, voilà, il va me créer tout le G-code pour me découper ici les bords de mon image. Donc voilà, avec ça, je pourrais faire toutes les découpes que je veux, ça ira très très bien. Bon, et bien donc, que dire de cet Algo Laser Alpha MK2? Je rappelle que MK, c'est l'acronyme de Model Kind. Donc s'il y a MK2, c'est qu'il y a dû y avoir, je suppose, un MK1, donc on va dire une première version de ce graveur. Alors en gros, qu'est-ce que j'ai bien apprécié dans cet appareil? Bah déjà la qualité globale. Comme j'ai dit, on voit que c'est bien usiné, c'est costaud, c'est bien fait. D'ailleurs, quand ça marche, il n'y a pas de vibrations, de bruit. C'est vraiment pour ça, il n'y a rien à dire. Et donc le rapport qualité-prix, eh bien, c'est vrai que c'est
Alors le prix, je le dis pas dans les vidéos parce que comme je sais qu'il évolue, je préfère mettre des liens comme ça m'évite de dire des bêtises. Enfin bon, comme j'ai dit, c'est plutôt du haut du moyen de gamme, donc c'est pas un petit graveur à 3 balles. Mais enfin bon, déjà il a une puissance de 20 watts, hein, ce qui est déjà pas mal. Et honnêtement, pour moi, la qualité de ce truc-là vaut son prix. Donc le rapport qualité-prix, hein, comme d'habitude, c'est ça qui compte, me paraît intéressant. C'est bien emballé dans de la mousse et tout, il n'y avait aucune casse. Là-dessus, rien à dire. La notice de montage, bien que, comme je l'ai dit, en anglais, elle est vraiment très claire. Honnêtement, même quelqu'un qui ne parle pas anglais, je veux dire, avec les dessins, on s'en sort très très bien. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour info, sur le site algolaser.com, il y a plein de tutos, il y a plein de conseils, il y a des vidéos. Donc ça aide aussi pour la prise en main. Honnêtement, moi, je ne connaissais pas grand-chose au système de gravure laser. Hein. Je vous avais déjà montré une petite, beaucoup plus simple. Il y a déjà quelques temps, j'avais commencé à vouloir bricoler ma CNC pour le faire, mais ici, voilà, j'ai quand même appris beaucoup plus, même si je pense être très loin d'avoir fait le tour de la question. Donc l'utilisation en mode autonome, alors ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi m'intéressait, de pouvoir l'utiliser sans avoir un PC à côté. Voilà, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. Pour info, je ne l'ai jamais connecté à un PC. La qualité de la découpe, bah, voilà, je vous ai montré hein, les différents essais que j'ai faits, on peut voir que vraiment... Ça le fait vraiment très bien. Les lunettes de protection fournies, alors ça c'est pareil, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Encore une fois, hein, la sécurité c'est important et ces trucs-là c'est dangereux. Donc là, vraiment, je peux que vous conseiller, quand vous utilisez des lasers, de porter ces lunettes. La vue c'est quelque chose de vital. Alors le fameux nid d'abeille, qui est d'abord d'excellente qualité et qui pour la découpe, à mon avis, améliore énormément parce que justement, derrière, le rayon peut sortir, l'air peut passer, et ainsi de suite. Si vous posez la pièce sur une plaque, une tôle par exemple, ben en fait, derrière, l'air et tout, il n'y aura rien qui pourra sortir. Donc ça, je pense que ça améliore énormément la qualité de la découpe. La reprise en cas de coupure de courant, bon, c'est pas tous les jours qu'il y a une coupure, mais je pense que quand on fait un truc qui prend éventuellement beaucoup de temps à être gravé, ben c'est plutôt appréciable, hein. J'ai déjà eu le cas, moi, sur des imprimantes 3D. Quand c'est coupé en cours de route, ben on peut tout foutre à la poubelle et recommencer. Donc là, je pense que ça, c'est plutôt bien. Ils ont pensé donc à fournir deux lentilles de rechange. Et ça, je pense que c'est bien. Et alors, on voit, ils ne le font pas sur le modèle 10 watts. Mais je pense que les lentilles, c'est pareil, avec quand même, à force, hein, pour un laser de cette puissance, au bout d'un moment, commencer à dommager un petit peu. Et donc, on peut les changer. Et je pense que le livret avec des échantillons de matière, bah, c'est vrai, je ne les ai pas utilisés. Parce que moi, bah, j'en avais d'autres là pour faire des tests. Mais je pense que voilà, quelqu'un qui déballe ça, qui a rien sous la main, ça lui permet de faire des tests. Je pense que c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ben, j'en ai déjà parlé. Bon, le réglage du focus, en effet, c'est pas hyper commode. En plus, enfin le truc, voilà, en gros, quand on le débraye, il n'y a plus rien qui la tient, la tête, elle tombe. Quand on la met sur le truc, elle a tendance à se mettre de travers. Enfin, bon, ça le fait, hein, manifestement, mais je trouve que. Enfin, je vais réfléchir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose un peu mieux. Bon, le bug dans le clavier Wi-Fi, c'est pareil, c'est pas le bug de la mort. Mais enfin bon, ça fait des ordres, hein, je trouve, d'avoir ce truc-là. L'absence de splitter RS485, ben en effet, là, ils vendent deux accessoires qui sont donc faits pour être mis sur ce bus. Et on peut en brancher qu'un. D'après ce que j'ai vu, ça existe. Il y a une sorte de, alors j'appelle ça un splitter, une sorte de prise multiple, on va dire, qui permet d'en brancher plusieurs. Mais alors, est-ce que c'est une erreur que ça ne soit pas livré avec ou ben, faut l'acheter à part? Je ne sais pas. Bon, maintenant, c'est pas la mort. Je leur ai posé la question, hein. Si j'ai la réponse, je la mettrai en commentaire. Mais toujours est-il que sur le truc de ventilo, de toute façon, je vois mal la valeur un peu ajoutée d'avoir ce truc-là, parce que le truc de protection hein, qu'on voit ici, là, comme je l'ai dit, c'est quoi? C'est un ventilo et il y a un éclairage dessus. Bon, là, c'est du 24 volts. Moi, je les branche sur la ligne 24 volts et puis c'est fini, quoi. Donc honnêtement, c'est pas vraiment très gênant. Puis les messages d'erreur, quand des fois il y a des messages d'erreur, bah, il dit qu'il y a une erreur, mais c'est pas tellement plus explicite. Alors après, on peut aller, il y a une sorte de log de tout ce qui s'est passé, mais bon, dans ce log, c'est pas forcément non plus hyper explicite. Donc je pense que là, il y aurait un petit truc à faire. Enfin voilà, globalement quand même, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et ce truc-là, moi, je lui donne une super note. Hein. Je veux dire, comme ça, il y aurait vu le nez, il y aurait 17. Hein. Je ne trouve vraiment pas de gros problèmes dessus. Alors donc c'est utilisable tout seul, comme on l'a vu, avec laser GRBL. Alors laser GRBL, je mettrai le lien en commentaire. C'est un logiciel qui est open source, qui est gratuit. Donc
Il suffit de le télécharger, de l'installer. J'ai eu aucun problème. On trouve pas mal de tutos dessus. D'ailleurs, ça pilote deux graveurs laser. Hein, c'est pas dédié à celui-ci. Et donc, ça a plutôt très bien marché. Alors, eux, ils conseillent aussi éventuellement l'iBurn, qui a priori a l'air d'être beaucoup plus puissant, mais qui lui est payant. Alors, il y a une version d'essai pour faire des tests. Mais bon, pour l'instant, moi, comme j'ai dit, pour faire de la découpe, avec ce que j'ai vu que je pouvais faire avec S-Plan et laser GRBL, ça fait exactement ce dont j'ai besoin. Donc, si j'ai d'autres besoins, pourquoi pas, mais voilà, j'ai pas tellement besoin. Et sinon, alors, je ne les ai pas essayés, mais le fabricant donc met sur Android et iOS des applis qu'on peut mettre sur tablette ou téléphone qui permettent a priori de piloter le BIO. Donc, et ça, c'est pareil, je ne les ai pas encore testés. Bon, à mon sens, si on ne veut pas prendre d'autres accessoires, je pense que celui qui vaut vraiment le coup, si on fait de la découpe, c'est quand même le nid d'abeille. Il est quand même vraiment d'excellente qualité. Pour moi, je pense qu'il faut au moins prendre ça. Si on fait de la découpe, si on fait de la gravure, non, parce que le rayon ne traverse pas. Alors, pour info, là, je vous ai mis un petit screenshot. Hein, donc, on voit, on peut acheter le graveur tout seul, c'est-à-dire que cette partie-là, qui a quand même la pompe à air. Donc, après, ils ont un kit basique qui rajoute le système donc, pour faire les cylindres et donc ce fameux nid d'abeille. Ensuite, il y a un autre kit qui rajoute aussi une caméra. Alors, ça, a priori, j'ai vu une vidéo qui montre ça. C'est intéressant si on l'utilise justement avec l'iBurn. C'est justement ça va permettre de positionner sur n'importe quel support, quitte à faire une rotation. Donc, voilà, pour ceux qui veulent faire du positionnement, des trucs comme ça m'a l'air quand même pas mal. Sachant que, bah, bien sûr, il faut avoir le logiciel qui va gérer ça. Et derrière, donc le kit que je vous ai montré, hein, ce qu'ils appellent le Safe Kit. Donc, comme on l'a vu, il n'y a pas la caméra, mais il y a, ils appellent une enclosure, c'est de boîtier là, avec cette protection, qui permettent ici donc de protéger et éventuellement d'aspirer les fumées. Voilà pour cette présentation qui, j'espère, vous aura intéressé. Bon, c'est un petit peu long, j'en conviens, mais voilà, je pense quand même que ça valait le coup de quand même de montrer au maximum les choses que j'ai trouvées intéressantes sur cet appareil. Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais où c'est que tu vas mettre ça? Ton mécalab, il n'est pas fini, tu commences déjà à le remplir. Alors j'ai beaucoup réfléchi à la question, et en fait, comme c'est un appareil qui est en plus, quand il n'est pas utilisé, est assez, enfin, comme moi, il est pas très haut, mais il est assez grand, et surtout c'est quand même quelque chose de fragile, j'ai réfléchi et je me suis dit que je vais sans doute en fait, sous mon établi, un meuble. Alors soit des glissières, des roulettes, j'ai pas encore trop réfléchi, enfin voilà, quelque chose qui le protégera bien quand je l'utilise pas et qui me permettra quand je vais l'utiliser bah simplement de le sortir rapidement et de pouvoir comme ça l'utiliser, sachant que faudra que je regarde aussi finalement est-ce que cette enclosure, comment je vais la mettre, ou est-ce que finalement je vais peut-être m'en inspirer pour faire autre chose, enfin voilà, c'est pas encore tout sec dans ma tête on va dire, mais ce qui est sûr c'est que cet appareil aura toute sa place dans mon mécalab. Et j'ai déjà plein d'idées de choses que je vais pouvoir découper. Alors j'ai commandé différents types d'acrylique pour pouvoir le faire, mais je ne les ai pas reçus encore. Tiens, ça va, Caroline? Non, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute bizarre. T'as reçu des menaces de pincettes? Ouh, pourquoi? Elle est jalouse parce qu'on voit plus Caroline maintenant qu'elle. Elle a dit qu'elle t'attendait au tournant. Écoute, si elle t'attend au tournant, va tout droit, t'auras pas de problème. À ceux que le dieu Ray, le seigneur des lasers, vous fasse de belles découpes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.